c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment coudre un short avec des poches italiennes. Donc là, en l'occurrence, c'est un short de petit garçon avec un lacet et un élastique. Mais dans cette vidéo, du coup, on vous montre une technique pour réaliser assez simplement des poches italiennes et vous pourrez le réutiliser sur n'importe quel projet. Débile. Pour coudre ce t-shirt, on a utilisé à peine 1 mètre de tissu. Et pour les plus concentrés, vous aurez sans doute remarqué que c'était un tissu qu'on a ramené de Thaïlande. Donc on vous laisse le lien de la vidéo du haul des tissus qu'on a ramené de Thaïlande. C'est une très longue phrase. Le petit garçon trop mignon de la vidéo, il s'appelle Chris et c'est le fils de Brian. Brian, il a posé avec nous pour la vidéo du polo et du coup on était parti avec eux, on a filmé tout ça le même jour, le même après-midi. C'était super rigolo, c'était la première fois qu'on filmait un enfant et du coup c'est quand même assez différent. Mais c'était super sympa et le rendu est super mignon, ça nous fait trop craquer, on est trop contents. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, bienvenue sur Hello Superette. On est une chaîne de couture et on est super gentil. Et on vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand il y a une vidéo qui sort, comme ça vous ratez rien. Si jamais vous avez un doute ou vous avez une question ou vous avez juste envie de nous laisser un petit mot d'amour, laissez-nous un commentaire parce qu'on répond à tout le monde et on vous laisse avec le tuto. Pour réaliser ce petit short de garçon, il vous faudra un short à lui pour s'en servir de modèle, un gros élastique, environ 1 mètre de tissu, de la cordelette, des œillets et, ça c'est facultatif, des petits boutons. On va venir découper le devant de notre short et pour ça on place le short plié sur le devant, sur notre tissu plié en deux également. On épingle le tout pour aligner les coutures parfaitement et on va venir découper en bas avec une marge de 2 à 3 cm, puis tout autour en suivant la courbe de la fourche et enfin au niveau de la couture de la ceinture. Pour la ligne des côtés, on ne suit pas le short, on va tout droit du bas du short jusqu'à la ligne de la ceinture pour que ça forme un angle droit, quoi. Et pour le dos, c'est exactement le même principe, sauf que au niveau de l'entrejambe, il faut soulever la jambe pour savoir exactement quelle longueur il faut couper au niveau de la fourche. Généralement, il y a 3-4 cm à rajouter en plus, mais il vaut mieux vérifier soi-même. Voilà, vous devriez avoir vos deux dos et vos deux devants, et on passe à la découpe des poches. Pour découper nos poches, on plie le tissu en 4, comme ça on viendra les découper d'un seul coup. On vient se servir de notre devant pour découper l'angle droit de nos poches, et ensuite on place notre main bien à plat pour découper une courbe tout autour. Et voilà, les poches, elles sont découpées, vous devriez en avoir 4 comme ça. Pour commencer l'assemblage des poches, on vient placer deux poches endroit contre endroit sur nos deux devants. Là sur les images on s'est trompé, si comme nous vous vous trompez à cette étape ce n'est pas super grave puisque cette partie de la poche normalement on la voit pas. Vous faites correspondre les angles d'une poche avec l'angle du devant et on vient tracer une ligne en diagonale pour former l'ouverture de notre poche d'une 15aine de cm. Alors bien sûr cette longueur est à adapter suivant la taille du short, vous pouvez très bien utiliser cette méthode pour coudre un short d'adulte mais du coup il faudra agrandir l'ouverture de la poche. On vient coudre sur cette ligne au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. Vous découpez l'angle qui sert plus à rien à 1 cm de la couture. Et ensuite on rabat la poche sur l'envers du devant. On repasse le tout pour que ce soit bien net. Et on vient faire une jolie surpiqûre. Ensuite vous faites correspondre le fond de poche avec la poche qu'on vient juste de coudre. Et vous faites correspondre les arrondis pour que ça matche parfaitement. Vous épinglez et vous venez coudre la poche avec le fond de poche à 1 cm sur tout l'arrondi. Et là par contre il faut vraiment faire gaffe que l'endroit du fond de poche soit face à vous quand l'endroit du short est face à vous. Et d'habitude on le montre pas dans nos vidéos pour que ça reste super rapide, mais si vous voulez amener votre projet au next level, vous pouvez venir surfiler l'arrondi de la poche pour que ce soit super propre. Vous faites, et exactamente pareil de l'autre côté. Et vous pouvez vous servir de la première poche pour que la deuxième soit exactement aux mêmes dimensions. Allez, ensuite on vient assembler les deux dos aux deux devants sur la ligne des côtés à 1 cm endroit contre endroit. Et pareil, vous pouvez surfiler ces jolies coutures. Vous rabattez la couture au fer à repasser pour que ce soit super clean.
Et regardez, on commence à avoir un aperçu de nos superbes poches italiennes faites maison. Ensuite, on assemble nos deux pièces au niveau de la courbe du devant et de la courbe du dos, toujours à 1 cm et toujours endroit contre endroit. Et toujours, on peut venir surfiler ce qu'on vient juste de coudre. Et on vient coudre une surpiqûre de renfort pour plus de solidité et de style. Et parce que les shorts de garçon, on trouve ça plus joli avec une braguette, on va venir surpiquer une fausse braguette. On la trace au stylo effaçable, et une fois qu'on a surpiqué par-dessus le stylo, on vient réaliser une deuxième surpiqûre parallèle à la première. Allez, il nous reste plus que l'entrejambe. Allez, il nous reste plus que l'entrejambe à assembler. On épingle, et vous l'avez deviné, on passe le tout sous la machine à 1 cm. Pour faciliter l'assemblage de la ceinture, on peut venir fixer nos petites poches avec un point à 0,5 mm du bord. Et pour découper la ceinture, on mesure le tour de taille de notre short et on rajoute 2 cm. Ça nous donnera la longueur de la ceinture. Et pour la largeur, on a découpé environ 9 cm. On assemble les deux bouts à 1 cm et on vient ouvrir la couture au fer à repasser. Et comme la couture de notre ceinture sera le dos, on vient marquer le devant pour déterminer l'emplacement de nos œillets. Donc on s'est fait des petits repères au stylo, on a marqué le devant de la ceinture, le milieu, les valeurs de couture, et on vient placer nos petits œillets bien centrés en fonction de tout ça. Ensuite on vient épingler l'endroit de la ceinture contre l'envers de notre short. On fait bien attention que les œillets soient bien centrés par rapport au short et sur le bas de la ceinture, pour que quand on rabat la ceinture vers l'endroit du short, les œillets se retrouvent à l'extérieur. On passe le tout sous la machine et on vient replier 1 cm de valeur de couture sur l'autre bord de la ceinture. Comme on avait peur de galérer pour enfiler la cordelette une fois que l'élastique serait assemblé, on a décidé de l'enfiler à cette étape, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Et donc on rabat l'autre bord de la ceinture sur la couture qu'on vient juste de réaliser, et on surpique le tout à 0,2 mm, et on fait bien attention de laisser une petite ouverture pour pouvoir enfiler l'élastique. On découpe l'élastique à la bonne taille, généralement c'est 5 à 10 cm en moins que le tour de taille, et on vient l'enfiler dans la ceinture. On fait bien dépasser les deux bouts, et on les assemble sous la machine avec un point très très solide. Et on vient fermer la petite ouverture de la ceinture. Pour un petit côté un peu chill, on a fait un ourlet inversé sur le bas du short, qu'on est venu fixer avec quelques allers-retours sous la machine. Et pour le dos du short, on a réalisé des faux rabats, pour lui donner un côté un petit peu plus sapé comme jamais. On est venu découper dans du papier la forme du rabat qu'on voulait. On vient en découper 4 morceaux, il en faut 2 par poche, en rajoutant 1 cm de valeur de couture tout autour. Et on les assemble endroit contre endroit sans coudre le haut. On crante les angles, on retourne le tout, on vient donner un bon coup de fer à repasser et on fait une jolie surpiqûre sur ce qu'on vient de faire. On le place à l'endroit désiré sur le dos du short et pour coudre en rabat, il faut d'abord le coudre tourné vers le haut, à quelques millimètres du bord. Et ensuite, on rabat le rabat et on vient surpiquer le tout. Franchement, le seul truc technique à cette étape, c'est de faire en sorte que les deux poches soient symétriques. Et voilà, votre petit short de garçon aux poches italiennes et aux faux rabats est terminé. On espère que ça vous aura appris à coudre un short, à coudre des poches italiennes et à coudre des faux rabats. Si vous avez kiffé, vous pouvez nous laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi aller voir le papa de Chris, Brian, dans la vidéo du polo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram si vous voulez savoir ce qu'on vous prépare entre deux vidéos. On vous dit à samedi. À samedi prochain. On espère que vous serez toujours aussi nombreux. Bisous.